Eh bien, salut tout le monde, c'est Farage et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 41 qui visiblement sera donc le dernier de ce Let's Play de cette aventure sur Grandia 2. Ça fait toujours quelque chose de dire que c'est le dernier épisode puisque c'est quand même une aventure qu'on fait depuis quelques mois, qu'on suit ensemble, pas quotidiennement mais hebdomadaire on va dire. Enfin, ça fait toujours quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Bon, en tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu, parce que maintenant, il est temps de la conclure. Vous pouvez d'ores et déjà lâcher le petit pouce bleu des familles, ça fera plaisir. Alors, le noyau de Valmar. Ça a l'air bien gros, ce noyau. Il y a des yeux partout. C'est quoi ce maïs de foutre des yeux partout? Vera! On sait que vous êtes là-dedans! Et Millenia, elle est là? Vous vous en êtes bien sorti, mais hélas, pas assez bien, car la Terre est lasse de porter le poids de l'humanité et implore sa destruction. Mettez fin à cette sottise, vous courez à votre propre perte, ne savez-vous pas que l'âme humaine ne peut exister sans les ténèbres? Les ténèbres ne réagissent-elles pas à chaque acte? Dès lors, comment allez-vous faire face à votre propre maître, votre propre dieu, Ryudo? Vous qui avez mis votre foi en un dieu mort, en qui entendra vos chants désormais? En qui croirez-vous? Un dieu mort ou vivant, Elena? Descendant du peuple des ténèbres, honorez vos ancêtres en me servant maintenant comme jadis. Ne reniez pas votre destin, Rohan. Vous, mon serviteur, si vous voulez être complète, alors vous devez m'obéir, car vous avez été créé uniquement pour ce dessein, Tio. Ô malheureux imbécile, cédez-moi vos cœurs et je vous épargnerai peut-être. Perdre nos cœurs, ce serait perdre notre humanité. Nous ne nous connaissons pas, Bon, tant pis, j'ai pas eu le temps. Je ne deviendrai pas un monstre ne connaissant que la folie et le carnage. Je sacrifierai mon âme et j'ai pas eu le temps. Ah, vous avez renoncé à votre propre cœur. Vous êtes une bête sans cervelle qui ne fait que jouer à être Dieu. Et j'ai pas le temps, ça va trop vite, décidément. Je crois en Ryudo et en l'humanité. Aimer les gens, c'est les sauver. Je l'ai enfin compris. Nous avons été le peuple des ténèbres et alors, le passé n'a plus de prise sur nous. Ce n'est pas le destin qui lie les personnes au passé, c'est vous et nous serons libres. Vous vous trompez, je suis complète, j'ai un cœur. Nous avons plus besoin de Dieu se servant de nous. Nous ne sommes pas vos marionnettes ni vos jouets, nous sommes votre destruction. Tiens, alors montrez-moi votre misérable puissance, et je vous prouverai combien elle est dérisoire. Eh ben, t'es bien moche, hein? Alors, la tête gauche, la tête du milieu, la tête droite, le noyau de Valmar. Bon, faut tout attaquer, j'imagine. La défense. Là, on va la jouer prudent quand même. Et je fais bien, parce qu'il a l'air de faire mal. Et il a bloqué pile le truc que je voulais utiliser. Oh, saleté! Parce que je voulais utiliser le murmure des étoiles. Bon, dans ce cas-là... Hop. Quoi? Continue. Tu as pas un truc pour réveiller éventuellement? Le poison, la paralysie. Non, tu as pas. Bon, ben dans ce cas-là, la défense encore. Hola, hola.
Bon, 400 c'est mieux. Maintenant on passe à l'attaque. Alors, tu vas bouffer un premier météore. Ça, ça sera sur le noyau. Toi, le murmure des étoiles. Ah bah heureusement que j'ai augmenté la défense, la vache. Bon bah on va faire une goutte de vie, hein. En fait, j'aurais pas dû faire goutte de vie, j'aurais dû faire archi-remède. Bon, c'est pas grave. Allez, recevons la bénédiction de Granas. Il y a peut-être l'une des compétences les plus craquées du jeu, celle-là. Ah bah voilà, 185, c'est bien ça. Pas mal. Alors on va essayer idéalement de détruire les têtes avant de détruire le noyau. Ouais, on va détruire les têtes. Je n'aime pas l'idée que tu te soignes, mon gars. Ah, saleté, bien joué! Oh, bien joué! Aïe, 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 ça c'est bien joué! Saleté! Alors, on va éliminer les têtes. Et puis on va attaquer, hein, s'il m'empêche de mettre mes... de booster mes stats. Autant attaquer! Allez, si tu m'empêches de booster mes stats, je vais bourrer. Et après tout, hein, qu'est-ce que je m'embête? Le bourrinage, c'est la vie. Madame, c'est qui?
Je sais pas s'il aura une deuxième forme, peut-être pas. Hein. Peut-être pas en fait. Donc chaque tête doit correspondre à une partie de Valmar, même s'il manque la corne. Je sens que ça va faire mal, ça. Hein. Ouais, ça fait mal. Par contre, attaque moins 1, ça, je n'apprécie pas. Voilà, comme ça, tu vas me remettre l'attaque telle quelle. Ah non, 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 non. Faut que Ryudo survive. Ah, saleté. Et l'autre tête va attaquer. Oh punaise, je vais prendre cher. Oh la vache. Oh la vache. Ah bah j'ai bouffé hein. Ça soigne de la mort aussi la goutte de vie. Ce serait bien non? Oh c'est craqué. Oh c'est abusé. Oh c'est tellement craqué. Oh mon dieu. Ça ressuscite même les morts quoi. Oh là là là. Bon après tout la mort est une altération d'état hein, donc c'est pas si étonnant mais c'est tellement craqué. Oh. Allez, il y a une tête qui est neutralisée et les autres sont bientôt KO. Alors ce qu'on va faire là, on va jouer prudent. Oh c'est bien ça, noix de lumière. Rend tous les PS. Non, pas tous. 100, ça suffira. Allez, il y a une tête bientôt morte, c'est bien. C'est juste pour pouvoir lancer une deuxième goutte de vie si besoin. Hein. C'est pas grave, les compétences, j'en ai pas besoin pour le moment. Oh. Allez, tête, va falloir mourir. Allez, il y en a une qui est quasi morte là. Alors, ce qu'on va faire... Ben, on va détruire la tête. Voilà. Toi. Combien j'ai de...
Ouais, je peux lancer ça deux fois, donc j'ai assez pour lancer un apocalypse blanc. Allez. Non, non, n'utilise pas les pouvoirs. Arrête d'utiliser les pouvoirs de Valmar. Je veux pas que tu te régénères. Ils sont à millénia, ces pouvoirs. Saleté. Va leur faire un tour de heal à un moment donné. Au niveau des objets, tiens, qu'est-ce que noix d'or. Donc prendre tous les PS, 25 PM, 100 PM. Non, alors attendez, c'est pas là. Ouais, c'est là dans les objets d'attaque. Hein. Moins de défense, ça peut être intéressant. Blocage de magie, ouais. Plus 2 en défense, ça peut être sympa aussi. Augmente les points d'initiative de façon significative. Ben, on va faire ça. Comme ça, on va attaquer plus vite. Allez les têtes, il faut mourir. Il est temps de perdre la boule. Allez, une tête de moins, très bien. Il reste la tête rayon laser. Bon, a priori, tuer les têtes n'a pas grand intérêt là, puisqu'elles ne lootent pas d'objets. Donc en vrai, je pourrais très bien me contenter de terminer le noyau là. Oh bien, c'est parfait, c'est parfait. Comme ça, je vais faire une goutte de vie pour enlever aussi le statut de négatif sur Tio. La musique est sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est très sympa. Allez, saleté, faut mourir maintenant. Il faut mourir. Alors, c'est vrai que je pourrais me concentrer sur le noyau, mais juste pour le principe, j'ai bien envie de lui couper toutes les têtes. Aïe.
fait, c'est la tête du milieu la plus dangereuse, clairement. Hein. À droite, elle fait des petites magies. À gauche, elle peut éventuellement soigner. Et quelques magies de niveau 2. Mais par contre, la tête du milieu, elle fait des rayons laser. Elle fait l'attaque du jugement. Alors, l'attaque du jugement, c'est le noyau, mais bon, c'est pas très très grave, on a compris. Alors, voilà, on arrête avec ça maintenant. Du coup, très beau de le finir avec cette attaque. Et on a réussi. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Succès déverrouillé, mauvaise graine. Alors, est-ce que le jeu est fini ? Allons, c'est impossible. Pourquoi de simples humains posséder un tel pouvoir? Parce que nous ne sommes pas fous alliés, pitoyables crétins. Maintenant, vous comprenez quel est le vrai pouvoir de l'humanité. Le pouvoir de l'humanité? Un cœur faible et mortel? Comment pouvez-vous croire en des choses aussi faibles? Alors, je vais vous montrer un visage familier. Oh, Aile de Valmar, revenez! Millenia, c'est toi? Ryudo, donne-moi les cornes. J'ai été séparé de toi parce que je ne les avais pas. Sans elles, je ne peux pas continuer d'exister. Ryudo, je t'en prie. Arrête! Ne me connais-tu pas? Millenia! Ryudo, ce n'est pas Millenia. Quoi? Millenia, elle ne se souciait de personne d'autre qu'elle-même. Elle était aussi égoïste qu'une enfant, mais en avait aussi l'innocence. Mais Millenia a fini par nous aimer. Si c'était la vraie Millenia, elle ne ferait jamais une chose pareille. Ryudo, tu ne comprends donc pas? Elle ressemble seulement à Millenia, c'est un leurre! Elle n'a même pas la voix de Millenia. Tu as raison. Millenia est quelque part ailleurs. Oui, je comprends maintenant. Va-t'en, tu n'es qu'une imposture. Bah allez, hein. On sait pas combien de vie elle a. En vrai, j'aimerais bien un truc qui soigne tout. Ça existe. Il y aurait ça éventuellement. Et dans les objets d'attaque, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de quoi soigner, hein. C'est vraiment des buffs... Bon, bah écoutez, on va... Ça va peut-être être le moment d'utiliser la noix de lumière. Ouais, allez. Est-ce qu'elle a beaucoup de vie? Oh, elle en a pas tant que ça. J'ai presque envie de faire ça et de faire des attaques. Oshiboshiyo. Watashi no koe ni kotaete kudasai.
On va le faire comme ça, parce que... En fait, j'ai peur qu'il y ait une troisième phase, si vous voulez, et j'aimerais économiser mes PS. Autant que possible. Les PM, ça va. J'ai largement de quoi me les restaurer. Parce que si elle se contente de faire des attaques comme ça va aller, quoi. Hein. Ça, c'était sûr qu'elle allait me les sortir à un moment donné. C'est pas les mêmes ailes, regardez. C'est pas les ailes obscures comme elle a dans la cinématique qui est là. Ça va. Ça va. Allez, coucher. Bon, jusque là ça va, c'était vraiment une phase de transition ce truc. J'ai presque envie, vous savez quoi, de faire... Alors attendez, d'en profiter... Rentre tous les PM à toi et le reste c'est bon. C'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Arc d'ange noir. Ah, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir jouer avec Millenia et son équipée? So. Kore wa sugata o maneta dake no maboroshi. Enna. Millenia wa doko ni iru nda? Atashi wa mou osorenai. Kurushimi mo itowanai. Hontou ni shinjirareru mono ga aru kara. このバカ女、もっと早く気づきなさいよ。ミラス。でも、もういいや。そう、これからは一緒に。ね。坊や、元気だった?はい。ミレニアさん、お人形さん、こんなところまで来たのね。はい。私は人の心を信じていますから。あなたのように。Alors là, c'est le texte qui en avance. 何が絶対だよ。あんたイカれちまってるんじゃない?私はここにいるんだよ。心を強く持てば負けることはない。そう、教えていただいた通りじゃないですか。分かったか、バルマ。なぜ闇の火が起こった?なぜグラナスは死んだ?
人の心に闇が宿っていればこそではないか。グラナスが死にバルマが滅べば人を導くものはないのだぞ。それでよいというのか。神をいらぬというなら導かれるべき人も必要ない。人間、いや世界。Hey, il fallait bien trouver un moyen pour que je puisse utiliser Millenia. Par contre, en virer deux, c'est beaucoup quand même. Loa, Tio, Boktachi wa taijoubu desu. Sore yori Zero. Dudo, Zero no yatsu, oshigoto keshichimau tsumori da yo. Yatsu o tomenakucha. Anata tachi o shinjite imasu. Ato, tanomimasu. Ah, makasero. Alors, ouais, parce que là, attendez, effectivement, là, là, on a un souci, là. Alors, il fait quoi, l'arc ? Reine, 10% des PV, c'est bien, ça. La robe de Valkyrie. Rend les PV au combat. Toi, tu vas surtout utiliser la magie. Donc tu vas prendre ça, comme ça, ça te fait de la résistance magique. Au niveau des accessoires, réduit la consommation de PM et tu vas prendre l'œuf du chaos. Parfait. On est pas mal. Apparemment, je suis soigné totalement. Ah non, les PM non. Bon, les PM non, mais est-ce que c'est si grave? Ouais, dans le doute. Dans le doute, dans le doute. Rang 25 PM. Voilà. Ah oui, attention. Équipé. Voilà. Donc toi, c'est surtout le tome de mage. Donc les PM, la magie, le feu et la foudre. Oui. Ensuite, la vie. Il y avait, la vitesse, pourquoi pas. Le souffle de vie. Et le la défense plutôt que la défense mentale. Ah, y a pas défense. Alors, la défense mentale, très bien. Par contre, toi. Vu qu'il n'y a plus Rohan, tu vas récupérer la force. Toi. Ah, attendez, il y avait autre chose que j'avais mis à toi. J'avais mis le truc. Faire des pays. Voilà, les dégâts magiques rend DPM, on va mettre ça plutôt. Toi, augmente les chances d'esquive. Est-ce qu'il n'y a pas mieux maintenant? Oh, peut-être pas en fait. Hein. Non, bon, on va laisser comme ça. Ok, allez, on est bon. C'est parti pour le combat final. Cette fois, je pense que on y est. Oui, récupérer, sauvegarder. Parce que si j'ai un game over, je reprends de très très loin. Donc, vaut mieux sauvegarder. Salle du chaos, c'est parti.